Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Enfin, on va voir si ça se passe en vidéo, on sait jamais. On est dimanche, c'est-à-dire une fin de semaine, mais vraiment le dernier jour de la semaine, du week-end même. Ça veut dire qu'il s'est passé une semaine de bordel dans la chambre à Maya. Parce qu'il faut savoir que Maya, elle s'est pas rangée. Il y a des montagnes chez elle, j'en ai des crises d'angoisse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, bon, ça se trouve, la vidéo va tomber totalement à l'eau. Là, je vais prendre une trottinette, je vais aller chez Maya en surprise. Et on va voir si c'est le bordel. J'espère vraiment que c'est le bordel, parce que sinon, bah, cette vidéo sert à rien. Je vais tout ranger. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Ah là là, j'y crois pas que je vais faire cette vidéo. Ça fait quelques semaines que j'y pense parce que tout le temps Maya montre sa chambre en story et tout le monde lui dit qu'il faut ranger et tout. Elle range sur le moment, mais une semaine après c'est re le bordel. Du coup là je vais ranger et je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut pas que ce soit re le bordel. Allez, c'est parti, je cherche la trottinette. Bon, je suis bien arrivé chez Maya. Je suis à l'endroit où elle fait toutes ses stories le matin. Quand elle se plaint toute la journée, c'est ici. Bon, je suis arrivé chez Maya. C'est catastrophique. Mais c'est pire que ce que je m'attendais là. Mais c'est parce que j'ai reçu plein de colis cette semaine. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas sale en fait. C'est que des vêtements propres et des colis qui sont en désordre. Mais il n'y a pas de vêtements des par terre. Des chaussures hein. Et tout. C'est que des emballages. Mais tu sais que vraiment, t'es une folle dingue. Oui, bah. Elle est folle, mais t'es folle. Oui, bah arrange. Non, on. Pas arrange. Non, ah bah non. Mais si tu m'aides, elle est folle elle. Tu vas m'aider quand même. Regarde mais voir. Regardez le bordel, je suis choqué. Mais c'est très grave. On dirait une cave. On est au souk. Il y en a partout. Bon bah là je vais commencer, pour commencer je veux des sacs poubelles. Je veux deux grands sacs poubelles parce que tous les trucs qui servent à rien. Genre un carton Chanel qui doit dater de... De quand? De au moins un mois, de ton anniversaire? C'était il y a combien de temps? 2 semaines. On va le jeter. Vite, il aussi. Est beau. Mais ça sert à rien. Allez, tu me déplies ça s'il te plaît. Ouais c'est parti. Ça. Ah non ça c'est plein. Oh là là. Je peux pas tirer le tiroir. Non. Ça c'est mon tiroir à produits pour le visage. Non c'est maquillage. Poubelle. Depuis quand tu mets ça? Pour faire du sport. Du sport? Ok. C'est le certificat d'authentificité. D'authenticité. Je veux plus faire la vidéo. Là quand on vient dans la chambre de Maya, il faut un masque. Parce que sinon je risque de mourir très rapidement. C'est pas une chaussette, c'est un t-shirt. Oh! Non, arrête! C'est un peu long si je peux me permettre. Si je peux me permettre, tu m'aides? Bah non. Deuxième sac poubelle, t'avais pas dit que t'allais ramener un coca? Oui mais arrête de trouver des excuses pour pas ranger. On va continuer de ranger tout de suite. Enfin, en vrai ça va déjà, là on peut un peu plus marcher, j'ai enlevé quelques cartons, quelques papiers. Ah quoi? Tu fais quoi? Mais pourquoi tu plies ça? Mais t'es fou! C'est pas des cartes ça. Mais ça c'est mon bulletin, pourquoi tu plies? On s'en fout, poubelle bulletin. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non mais là, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte qu'elle est tarée, elle fait que crier. Et en gros, dans la scène qui va suivre en fait, je venais de me rendre compte que c'était vraiment son bulletin et ce qui était écrit sur son bulletin. Je vous laisse regarder la suite. Quoi? Tu m'as caché ça? Quoi? Elle m'a caché ça, je suis choqué. Votre enfant Maya Borsalik de la classe de première année commerce international a depuis la rentrée une attitude que je ne saurais tolérer. Exposer des motifs. Trop d'absence. Bah oui, bah je suis occupée. C'est du sabotage. Faut ouvrir le calendrier de l'avant. Non, on est en novembre. Touche comment c'est lourd. Touche comment c'est lourd. Un sac. Deux sacs. Thomas, non. Laisse-moi faire. Ils aiment pas être ensemble. Ils aiment pas entre... Ils aiment pas être ensemble. Sac. Je m'en fous, j'ai. Ils aiment pas être en coloc. Dans leur étagère. Encore un. Lui là, tu l'as acheté, il sert à quoi? Il va avec mes ongles. Non, tu manques pas de respect à Jacques comme ça là. Tu jettes pas, tu le bouscules pas, regarde, ils sont tous entassés, ils sont en coloc. C'est ça, tu l'as prise pour faire du semblant? Tu vas jamais la mettre, on le sait tous. Si. Poubelle. Non! Il y a même pas de bouchon? Non. Thomas, non mais tu fais chier. Ah là, je suis choqué, l'ancêtre Maya. Ah ouais, c'est du vintage ça. Je me rappelle quand tu les avais achetés, t'étais trop contente. Mais je suis trop contente, je les aime trop. C'est trop bien pour faire du sport. Mais toi, t'as trop de trucs pour faire du sport, mais tu fais pas de sport. Bientôt! J'en ai marre, c'est bon, ça m'a saoulé, j'en peux plus. Je comprends pas, dès que c'est rangé, dès que j'ai rangé un endroit, je me retourne 2 minutes et c'est plus rangé. J'ai une idée. C'est une astuce. Quand ta chambre elle est pas rangée, fais ton lit comme ça on dirait c'est rangé. Vas-y, on va essayer. On fait le lit. Aïe. Là, elle a sorti une cachette secrète, mais j'étais même pas au courant. Sous son lit, mais sous son lit, il y a autant de vêtements que dans les placards. Maya, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? On fait une petite pause, ok? On a presque tout rangé, du coup, petite pause de 5 minutes. Ça, ta pause, tu dors? Et tu veux pas manger et boire un truc? Ma
bête. Barnac. Bon, c'est bien là, ça avance, on a presque fini. Bonsoir Paris. Regardez comme elle est maniaque. Ah ouais, vraiment, moi je peux pas, il fait comme ça. Mais une miette, il l'enlève. Les miettes de pain, je peux pas. Waouh, t'as d'être ça, chacal. Oh là là, je suis trop content. Tout est propre, j'ai tout rangé. On a tout fini, c'est tout propre. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel qu'il y avait ici. Si c'était vraiment que chez moi, j'aurais trié tout ça par couleur. Avant, pour marcher, il fallait faire ça. Maintenant, pour marcher. Son bureau, elle va enfin pouvoir bosser. Je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo comment c'était le bordel. Le lit, il est parfait. Maya, Maya, je vais la défoncer. Bon, et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, moi j'en suis fier, j'en suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maya, j'espère que t'es contente parce que c'est la première et dernière fois que je crée ça chez toi. Donc vraiment, je compte sur toi pour que ça reste propre comme ça. Regardez comment c'est propre par rapport à avant. On peut tout faire, on peut faire c'est des mouvements. Ouais, c'est rangé aussi. Oh là là. Bon, gros bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bisous.